Aujourd'hui, voyage en Grèce avec le Parthénon de Kadour. C'est l'histoire d'une halle étonnante, copie parfaite d'un temple grec. Rien à voir avec l'architecture locale. Quelle drôle d'idée, n'est-ce pas? Des colonnes, un fronton, des chapiteaux? On dirait vraiment un temple grec. Aujourd'hui, Chantal vous emmène en Grèce, ou presque. Merci la voix. Alors l'histoire commence ici dans la campagne qui environne Kadour, on est au 19e siècle. Et ici on cultive des céréales, des légumes, de l'ail violet bien sûr, on élève de la volaille et la main d'œuvre est très nombreuse. Et rapidement on se pose la question, comment écouler toutes ces marchandises? Mais vous vous demandez sûrement à quoi ressemble Kadour à cette époque au 19e. Tu nous montres la voie? À côté de la place du fort, emplacement le plus ancien du village, on a aménagé une large avenue, le cours du Midi. On a reconstruit l'église et son superbe clocher octogonal. Ça bouge à Kadour, n'est-ce pas Chantal? Mais revenons à l'histoire de la halle. Pour écouler toutes ces marchandises agricoles, la municipalité demande l'autorisation de tenir des marchés et des foires. Mais ça va durer 30 ans. 30 ans pendant lesquels l'administration aligne refus sur refus. Et il faut arriver en 1823 pour enfin obtenir l'autorisation de tenir une foire, ça sera le premier mercredi de septembre. Et devant le succès considérable de cette foire, la municipalité décide d'en demander 6 de plus, ce qu'elle obtient 3 ans plus tard, en 1826. Encore un peu de patience. Et le 6 juillet 1827, Kadour obtient l'autorisation d'établir un marché hebdomadaire. Ce sera le mercredi matin. Et bingo, le succès est immédiat. Les commerçants, les négociants affluent à Kadour. Les clients, si bien que la municipalité décide de construire une halle. Ça sera un bâtiment pratique et moderne qui montrera la prospérité de Kadour à tous. Dans les petites villes, à cette époque, on n'a pas d'architecte. On décide donc de faire appel à un architecte toulousain qui s'appelle Cambon. Et dans les années 1830, on apprécie beaucoup le style néoclassique et lui va choisir une variante, le style néo-grec. Alors son projet comporte un vaste espace avec des colonnes, des chapiteaux, un beau fronton triangulaire, un vrai temple antique. Et devant ce projet, la municipalité de Kadour est enchantée. Malheureusement, le sous-préfet, qui est consulté, n'est pas du tout du même avis. Il trouve d'abord que c'est trop coûteux pour une petite ville modeste comme Kadour. Et puis cette architecture, franchement, ça n'a rien à voir avec l'architecture locale. Donc non, c'est non, il refuse le projet. Mais ici à Kadour, on est tenace. Et on en a vu d'autres, la municipalité soutient le projet de Cambon. Et puis, pour ce qui concerne l'architecture, il suffira de construire les maisons autour de la place dans le même style. Et ça marche. En 1830, on obtient l'autorisation de construire la halle aux marchands que voici. C'est le début de la prospérité de Kadour. Entrons à l'intérieur, je vais vous faire la visite. Alors voilà, on se retrouve ici sous la halle. C'est un bâtiment qui est construit en belles briques foraines, comme vous pouvez le voir. Il y a un peu de pierre aussi qui est utilisée pour la base des colonnes. Il y a aussi un détail architectural qui est étonnant, c'est que les colonnes sont construites avec une seule assise de briques. Hein. C'est une assise hélicoïdale. Quand on est à l'intérieur, la référence au temple antique est évidente, en particulier avec les deux colonnes que l'on trouve sur la façade. Vous pouvez voir qu'elles ont des chapiteaux qui sont des chapiteaux très simples, qui sont vraiment des copies, qui sont inspirées du style dorique. Et la voix, tu nous parles de la façade? Pas de problème Chantal. Les façades des côtés courts sont en pignon avec de beaux frontons, c'est-à-dire la partie triangulaire. La toiture à deux pentes est quant à elle couverte de tuiles canal. Regardez sur la façade, un autre détail étonnant. Les murs sont à bossage. Des canaux ont été creusés dans la brique, comme pour imiter la pierre taillée.
La halle est précédée d'une belle volée de marches et d'une vaste esplanade. Elle est visible de toutes. 1830 marque le début de la prospérité de Cadour. Et voici ce que nous dit un historien de l'époque. Les marchés de Cadour sont approvisionnés en grains, volailles, œufs, gibiers, jardinage, fruits et autres produits agricoles ou alimentaires. On y trouve des étalages bien assortis en draperies, lingeries, lainages, merceries, chapelleries, chaussures, poteries, quincailleries, articles de ménage, outillages agricoles et domestiques, marchandises de bazar. Bref, quand on vient au marché et à la foire de Cadour, on trouve tout ce qu'on veut. Quant à la promesse faite par la municipalité d'harmoniser toutes les façades de la place, vous pouvez voir cette petite maison, malgré la voiture bleue, vous pouvez voir cette petite maison à deux colonnes, c'est le dernier témoin de ce projet. En effet, les Cadourciens ont été plutôt futés, puisque cette seule maison à colonnes a été construite, ce qui a permis d'obtenir l'autorisation d'édifier la halle. Le marché de Cadour, c'est tous les mercredis matins. On vient y acheter les bons produits locaux, discuter avec les amis et faire de bonnes affaires. En attendant que la voix off nous donne le clap de fin, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en Haut-Tolosan. Hey, salut, c'est moi, la voix. Vous m'avez peut-être reconnue, je suis Camille de l'Office de Tourisme. On espère que cette visite vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube juste ici pour suivre les prochaines visites numériques de l'Office de Tourisme des Hauts-Tolosans. Retrouvez dans la description les crédits photos, ressources documentaires, liens vers nos réseaux sociaux et nos coordonnées. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures autant couleur en Hauts-Tolosans. Salut !